Normalement, on a du son. Déjà, ce qui est ouf, c'est que c'est exactement la même map que dans le jeu qu'on avait fait, donc Parasocial. C'est exactement la même chose. C'est les mêmes devs, regardez, c'est la même. Ils sont forts quand même, les cons. C'est exactement la même chose. C'est comme Parasocial, regardez. Ils se sont pas foulés. Quand t'as trouvé un filon, faut être con pour creuser à côté. Ouais, non, c'est vrai. Ok. Ah, ok, il y a un anniversaire. Ok, très bien, très bien. Allez, il dort, il dort. Bon, j'explore. Ah. Bon, je dois faire quoi? Parce qu'on va pas se... Je vais sortir de chez moi. Ah! Magnifique. C'est ça, entre narcs. Ok, mais pourquoi tu sors? Il y a un anniversaire, pourquoi? Ah, mais parce que tout le monde dort, en fait. C'est juste que là, il est tard. Ah, t'es... Ah, j'ai compris. Ok, t'es un agent de sécurité, en fait. Bon, c'est quand même marqué sur l'écran, du coup. Enfin, faut pas avoir inventé l'eau chaude. Pardon, excusez-moi. Alors, minuit, parfait. Les aiguilles de l'horloge pointent vers minuit. Vérifiez les alarmes incendies au fond des salles. Éteindre les lumières dans les salles de bain. Si des personnes sont encore présentes, renvoyez-les chez eux. Ah, non, il est probablement démissionné. Je vais compter sur vous à partir de maintenant. Cette compagnie a apparemment une règle interdisant toute heure supplémentaire au-delà de minuit. Vérifiez l'horloge, le moniteur de surveillance et les détails de sécurité avant de faire votre tournée. Très bien. La salle de surveillance est à droite. Je devrais vérifier mon travail. Mais j'ai vérifié. J'ai! Allez, je vais commencer par le premier étage. Alors. Il fait bien sombre quand même. Ah, par contre, c'est un vrai labyrinthe. Je ne vais jamais y arriver. Ouf l'ambiance là. C'est pas une ambiance de ouf. Pas d'anormal. Bonjour monsieur, il faut partir! Le nouveau gardien de sécurité, c'est déjà l'heure. Je suppose que j'imposerai le reste de mes subordonnés demain. À bientôt. Bah... Mais pourquoi tu bois ta petite bière dans le noir là, tout seul? Mais casse-toi, qu'est-ce que tu fais là? Allez, je vérifie que tu t'en vas. Pars, pars. Pars! Pars! Pars, monsieur. Allez, on s'en va. Et l'autre... Je sais pas, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Le mec était en train de boire sa petite bière comme ça, au bureau. Fin de journée difficile, after work. Pump it up. Ok, je peux pas ouvrir cette porte. After work solo, la boîte va pas fort. Non, ils sont plus... Ils sont beaucoup à être partis, malheureusement. Voilà. Je peux vérifier si quelqu'un dans les toilettes? Il y a du bruit là. Monsieur, il y a quelqu'un? Putain, c'est quoi ce bruit? Bon, je vais aller retourner dans mon bureau là. Alors là, Virginie! Dites! Bon, je vais aller verrouiller. Alors, comment je verrouille moi? On dirait que quelques personnes sont encore là. Et je vois pas.
Ah mais je dois verrouiller les portes quand je ressors. Allez, vas-y. On va faire ça méthodiquement. Je vais commencer par celle-là. Il y a quelqu'un? Non. Y a quelqu'un? Non. Le gars, il t'a limite fait un cacou-cacou. Ah oui, mais oui. Bon, là, apparemment, il y a quelqu'un encore. Moi, je vois personne, là. Ah, si, peut-être, là. Non? Enfin, en même temps, les gars, s'ils se mettent dans le noir tout seuls dans leur bureau, je vais pas... Ils se cachent pour faire des bêtises ou quoi? C'est ça, en fait. Misère. Misère. Elle a verrouillé celle-là aussi. Bon, de toute façon, s'il y avait quelqu'un maintenant, ils sont coincés. Il y a personne là dans les chiottes. Je peux verrouiller les toilettes? Ah non, les toilettes, je peux pas les verrouiller. Ok. Non, je peux pas. On est bien d'accord que... Mais j'entends du bruit, mais je les vois pas. Espace de travail un peu oppressant, c'est à signaler inspection du travail. Mais je sais pas, il y a encore des gens. Je vois personne. Mais enfin. Je vais prendre l'ascenseur. Je monte. Je monte. Mes frères, c'est quoi ces portes qui claquent là? Je vois personne. Ça ira le nombre de distributeurs par contre, genre Ricabure au Coca et au Kinder Bueno. Ouais, non mais. Hello! Bon, attends. Mes frères! J'ai verrouillé toute la pièce! J'ai tout verrouillé! Là, c'est verrouillé! J'allais dans les chiottes, y a personne! Ah, mais les gars! J'ai tout fermé. Bon bah voilà. Celle-là, je peux pas l'ouvrir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais verrouiller aussi ça. Bah voilà. C'est la fin du jeu. Y a plus rien à faire, on est coincé. Attendez. T'as encore des jeux indés à 7 balles. Je comprends rien ce qu'il faut faire. Mais frère, je peux même plus rentrer dans les pièces. Bon, je vais aller éteindre toutes les lumières, c'est peut-être juste ça qu'il faut faire. Ah! Oui, c'était ça. Fallait juste éteindre les lights. Je comprenais pas. Vas-y, je vais monter. As-tu tenté d'allumer et éteindre ton jeu? L'enfer. Allez, go! Ah, c'est... Ah bah, j'ai pas le choix. Mais moi, j'aimerais pas être agent de sécurité de nuit. Ça me ferait pas trop kiffer comme boulot. Quoi, qu'est-ce que tu veux? L'agent de sécurité, pourriez-vous laisser les lumières allumées? Je les éteindrai. Ah mais l'autre, il est en train de poser son truc là. Oh, t'es encore aux chiottes après toutes ces heures. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un fait des heures sup? Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un? Ah, madame, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes cool, échangeons nos coordonnées. Je ne peux pas partir si vous ne donnez pas vos coordonnées. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Mais tu veux Ken? Mais enfin, ça va pas? Elle est folle? Elle faisait un peu peur, hein. On est d'accord. Elle était pas ouf. Elle m'a fait un peu flipper. Moi, je peux toujours pas y aller. Elle était... T'as vu? Échangeons nos 06 à 1h du matin. Il est minuit, genre déjà, qu'est-ce que tu fais encore là, en fait? Stéphanie, là.
Elle avait l'air très sympa, très souriante. Ouais, moi aussi je l'ai trouvée plutôt avenante. Bon, t'es toujours là dans les chiottes, hein. Allez, il faut partir maintenant. Ah, je peux. Je sais pas, elle est partie. Elle est partie. Vas-y, l'autre, je laisse dans les toilettes. Du coup, il nous faudra que je redescende au deuxième pour éteindre la lumière. Punaise. Le mec a pas de toilette chez lui. Du coup, il s'est dit, je vais rester un petit peu plus longtemps au bureau. Allez, on va au troisième. On va encore trouver du monde. Je recommence par les toilettes. Pourquoi avez-vous éteint les lumières? Je vous ai demandé de les laisser. Bon, on est au troisième. C'est la même personne? Qu'est-ce qu'il dit? Oula. Il y a trop de monde. Je sais pas, ils restent tous dans les toilettes. C'est une télé qui marche. Oh. C'est un ordi. Vous feriez mieux de les avoir terminés d'ici demain. Qu'est-ce que vous regardez? Je comprends pas. Vous m'écoutez? Je sais pas ce que je sais pas ce que je regarde. L'autre, toujours donc coincé dans les toilettes, je peux toujours rien faire. Ok. Bon, pour l'instant, le jeu est plutôt random, hein. Je sais. Bah, il suffisait que je dise ça. Le double ascenseur, je sais pas, soit c'était un bug, soit c'était un peu pour me faire peur, je ne sais pas. Alors, en temps normal, si un ascenseur fait ça, ne montez... Il y a quelqu'un là. Bonjour. Ah, ah, ah. Putain. Fuck. Putain, l'autre, il était posé comme ça dans les chiottes. Tout était chill, quoi. Ah, ah putain. Monsieur. Pourquoi il regarde dans le vide comme ça? C'est encore toi? Mon patron me demande de terminer ce travail pour demain matin. Il n'y a aucune chance que je finisse tout ceci. Je n'ai jamais cru qu'il serait aussi difficile d'être un adulte qui travaille. Ils m'ont dit de quitter le boulot à l'heure. Ils doivent se moquer de moi. Tu es le seul à savoir que je fais des heures supplémentaires et que je travaille dur tous les jours. Te voir me met de bonne humeur parce que ça veut dire que je peux rentrer à la maison. Alors je crois que je vais rentrer chez moi. À demain. Et donc vas-y en fait. Pars. Enfin si tu y arrives parce que vu qu'il y a un maboule dans les toilettes là. Bon. J'ai pas encore remplacé les lampes. Oui, mais je sais pas où elles sont, en fait. Ah, là, voilà. Ok. Pas d'anormalité. J'ai comme un doute. On va voir un psy, pas le mec de la sécurité. Bon. J'ai bien éteint ici. Je vais fermer la porte. Non, mais les gars, plus on va monter les étages, plus ça va être l'angoisse, hein. Comment ça? J'ai pas encore fini de patrouille. Ah oui, je suis pas rentrée dans ces pièces, en effet. Putain, j'ai eu peur!
Piou! Hello! Bienvenue à ceux qui rejoignent le live et merci pour les follow, les amis, ça fait plaisir. Bon. Ça dégage. Et ça. Ça dégage aussi. Parfait. Elle fait du bruit, je peux pas l'éteindre. Bah tant pis. J'ai pas tout verrouillé. Il y a peut-être un truc que j'ai pas fermé. Ah, la lumière. La lousse. Tout, tout, tout. Ok, pour l'instant, ça se passe... Bon, on va au cinquième. Ça va. Pour l'instant, ça va. Ça se passe bien. C'est moi ou plus on avance, moyen de lumière. Il fait un peu sombre à cet étage, c'est ce que j'ai dit. Par contre, je comprends pas, il y a pas eu de ménage ici. Il manque un fusible. Ah bah. Tiens donc. Allumons d'abord les lumières, mais je ne peux pas. Parce que je n'ai pas de fusible. Ah putain. Et me voilà. Me voilà en train d'inspecter alors que ma fille m'attend à la maison. Alors que c'est son anniversaire. Et ma femme dort tranquillement dans son lit. Et je veux bien allumer les lumières, je cherche un fusible. Je vois rien. Oui, oui. Les fusibles, les fufus, les fusibles. Ouais, en fait, c'est l'agent de sécurité. L'agent de sécurité qui est aussi, finalement, agent d'entretien, électricien, nettoyeur de chiottes, psychologue. Ça fait quand même beaucoup. Bon, c'est peut-être pas dans les chiottes que je vais trouver des fusibles. Je l'aime pas trop, cette porte. Ah, je l'aime pas. Non, mais c'est quoi, là? C'est les catacombes? Comment ça, y a ça au cinquième étage? Et d'où? C'est... c'est un squat? C'est un squat, c'est ça que vous me dites? Putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et puis quoi encore? Ah, je suis pas bien! Ah! Pourquoi c'est rouge au sol? J'ai l'impression que je marche dans du sang. Fusible! Où es-tu? Petit, petit! C'est exactement ça. Aïe. Bon, bah là, vraiment, je marche dans l'inconnu. Je sais pas. Vraiment, c'est un labyrinthe. Je pense que... Ah, ça y est, je vois la lousse. C'est une blague? Excusez-moi, le fusible. Obtenu un fusible. Y a pas des questions que tu te poses, Michel? Enfin, je veux dire, tu te dis pas que là... Ça va pas. Je vais pas réussir à sortir, moi je vous le dis. Non mais là, je sais pas comment je sors. Hein. Je vais y aller au talent. À l'aide de mes connaissances. T'as disparu. Oh l'enculé. Ah, la porte était pas si loin. J'ai l'impression que c'était plus loin à l'aller. Je savais qu'il y aurait des jumpscares. Ah bah oui.
Ah bah là, c'est tout le but de ce jeu, hein. Bon. Ça y est, j'ai mis le fusible. Mais ça va pas! Te voilà! Les lumières ne sont pas encore allumées, alors peux-tu activer les quatre disjoncteurs? Moi, je pars. Bonne chance avec ton travail. Espèce de connasse! Mais tu es pas sérieuse, Marina? Putain. Mais tu es pas un peu folle? Mon dieu. Non, mais attendez. Ça va, vous? Je vous laisse remettre les lumières. Bonne chance! Vraiment ça qu'elle a dit, elle. Je sais plus où ils sont, les interrupteurs. Elle a besoin d'un fusible, celle-là. Ouais, il lui en manque quelques-uns, je pense. Elle m'a fait trop peur, la dame, là. La 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 la. Na na. C'est bon, j'ai remis les 4 là, non? J'en ai mis 4 là. Non? Na na. J'en ai pas mis 4? Ah non. Ah. Donc, je peux enfin partir. Je vais partir. Comment ça? J'ai pas fini de patrouiller. Ah, je peux vérifier là. Alors. Elle assume la responsabilité pour tout. Et que se passe-t-il si Bip Bip démissionne? J'ai envie de la frapper. Ok. Bon, d'accord. Ce moment a été filmé par les caméras de surveillance dans un endroit comme celui-ci. Je ne peux pas croire qu'elle... Je démissionne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris vraiment ce qui s'est passé. Ton petit ami et agent. Ah ouais, il est plutôt beau. Alors j'ai fait le mien. Mais il ne sortait pas avec elle avant. Ouais, tout le monde sait, enfin, sauf le harceleur. Donc tu l'as pris par force et une très mauvaise manière de le dire. En fait, j'ai convaincu avec mon corps. Pardon? Sérieusement? De toute façon, elle n'était pas à la hauteur. Je ne suis plus charmante, c'était inévitable, n'est-ce pas? C'est une vraie diablesse. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Et puis en plus, ça allait vachement vite. J'ai même pas pu choisir ce que. Oh là, ça court! Des histoires de tromperie là! Oula, Ah, elle est tombée. Oula! Oula! Ah, mais c'est la meuf qui m'a draguée tout à l'heure! Oula! Oh! Ouh. Bah, celle qui voulait mon 06, du coup, ça va plus être possible, madame. Vous êtes morte. Oh putain. 5F. Il y a quelqu'un au 5F là. C'est là où je suis. Attendez. Donc, la caméra du 3F et la caméra du 6F sont dead. La 1, la 2, la 3 est dead. La 4 et la 5, c'est là où je suis, moi. Je suis au 5e étage. Et là, il y a un pélo devant la porte de la truc où je suis. My god. Bon bah écoutez, que le sort vous soit favorable. Je vais revérifier où elle est l'autre. Bah dans la 3 du coup. 1, 2, ouais la 3 elle est morte. Ah il est parti le gars, il est parti. Il est parti. Non c'est bon, il est parti. On peut y aller. Bon, j'ai pas encore fini de patrouiller. Ouais mais fraté, il y a un moment donné là... Il y a une meuf qui s'est fait tuer, donc... Ah! Ah bah. Ah bah, super. Il y a encore quelqu'un dans les toilettes?
Je pense que je vais démissionner. Y a rien là. C'est verrouillé. Voilà pourquoi je préfère les films d'horreur et pas les jeux. Mais moi, je préfère les jeux parce que j'ai l'impression que t'es plus en contrôle. Tandis que dans les films, je peux pas contrôler ce qui va arriver. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, évidemment, il y a peut-être des petits jumpscares et tout. Mais comment ça, j'ai pas encore fini de patrouiller? Moi, je comprends pas trop où est-ce qu'il veut que j'aille, le mec. Ah oui, là-bas, parce que faut que je ferme la porte de l'autre côté. C'est verrouillé, ok. Qu'est-ce que j'ai pas? Ah oui, je sais, c'est peut-être les trucs au mur là que je dois vérifier en fait. C'est pour ça que ça bug. Enfin, c'est pour ça que ça marche pas. Les trucs rouges là que je dois. Hop, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça que je devais faire. Ouais, je sais pas, on va voir. Ah voilà, c'était ça. Tout, tout, tout. Bon, plus. Alors. Je peux faire ce que je veux ou j'ai... Ah non, je n'ai pas le droit de redescendre de certains étages. Je suis obligée de monter. Ça va vous sinon? Vous passez un bon moment? Merci d'avoir choisi de passer votre samedi soir avec moi! Ça va? T'as pas l'air bien. T'as pas l'air au top? Tu veux parler? Tu veux pas parler? Parle pas? Pourquoi tu veux pas parler? On peut pas parler? Oh merde, elle veut pas parler. Elle veut pas qu'on se parle. Ah là là. Là là. Il y a eu une fête là. Il y a une fête. Pas d'anormalité. J'aime bien parce que le mec, tu vois, il reste stoïque. C'est... Il est très consciencieux dans son travail, en fait, finalement. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de musique. Il y a quelqu'un là, non? Qu'est-ce que c'est que cette ombre? Ah non, c'est une chaise. Il y a quelqu'un ici? Je vais vérifier. Je vais jusqu'au bout? Oui, je suis un peu maso. Du sang par terre? Pas d'anormalité. C'est vraiment ça. Hein. Bon, très bien. Ça se voit qu'il a l'habitude en fait. Recherche femme de ménage, expérience en boucherie souhaitée. C'est ça. Ah ouais, j'étais bien avec la musique, je suis d'accord. Madame, putain. Est-ce qu'elle a besoin d'aide hein. Lui, il ferme la porte. Normal, tranquille. Oula. Un petit doliprane? Ça va pas? Vous faites un AVC? Madame? Ça va? Oh là, elle a pas l'air bien. Vous avez fait tomber votre balai. Ah, ça y est. Ah. J'arrête de me regarder. Tant pis, je te laisse. Un fusible, madame. Elle en a plus, elle. Bon bah, salut, hein. Ah ouais, par contre... Je me demande ce qu'on va voir, en fait, maintenant. Ah, attendez, je viens de voir que le cadre était mal mis. Oh, tant pis, c'est pas grave. Alors, à un moment donné, va falloir arrêter avec l'électricité parce que il manque l'interrupteur. Il pourrait se trouver quelque part. Cherchons-le. Quand on arrive tout en haut, il y a plus de bâtiments, en fait. C'est l'enfer. J'arrive dans les enfers.
J'ai vraiment eu un arrêt cardiaque. J'ai vraiment eu un arrêt cardiaque. Genre là, les gars, j'ai vraiment. Là, j'ai mal. Là, je souffre. J'ai mal au poumon, là. Là, c'est quoi? Et puis, c'est quoi d'ailleurs? C'est un ballon gonflable? C'est une poupée gonflable? Qu'est-ce que c'est? T'es qui? Tu fais quoi? Enfin, je veux dire, je sais pas. Grimper, laisser faire. Ah oui, ah, je pourrais grimper. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous êtes combien? Y a quelqu'un qui marche là-haut. Y a quelqu'un qui marche là-haut. Non mais là il faut s'arrêter en fait. Oh putain les gars. Mais c'est horrible. Mais on est où en fait là? Là je vais devoir grimper. Vas-y, je grimpe. Vas-y, je vais voir. Je vais voir. Ah bah elle est là. Je descends. Bah, je pense que je vais partir en fait. C'était cool, mais je vais y aller. Merci en tout cas de votre accueil. Non. Jure, il me faut les quatre. Jure, il me faut les quatre. C'est pas vrai. Mais non. Allez, bon, et toi, tu es là. Voilà, tu es là, c'est bon, je sais que tu es là. Allez, on monte. Non mais les gars, un jour on fera un live Animal Crossing, hein, ça sera plus chill, je pense. Je pense que ce sera plus chill. Ah putain. Donne-moi ça. Tom Nook me terrifie. Bon, tu peux te pousser, s'il te plaît, faut que je grimpe en fait. Mais tu... Pourquoi? Brutive. Va. Je vais retenir un peu ma respiration pour les 5 prochaines minutes, je pense. Je rigole de stress. Ah ouais. C'est marrant parce que moi, vraiment, Là, je commence à pas me sentir bien. Pourtant, j'avance, hein. Je lutte, hein. Qui a inventé ce type de poupée déjà? Bah, c'est celle... Elle ressemble vachement... Elle ressemble à celle de Saw. Est-ce qu'on va de nouveau avoir un étage normal? Je vais baisser un peu le son. Ok, let's go. Il y a une imprimante ici. Je suis pas un chien, hein. Tu m'envoies pas des canettes comme ça, hein. C'est pas ma faute si j'ai rien pu faire, parce qu'ils sont morts. Tout le monde a disparu à cause d'eux. Je n'ai rien fait de mal. Tout est de leur faute. Je suis où là? Oh là, je vois plus rien. Oh, je vois plus rien. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Ça y est, c'est fini. Je suis. C'est fini. Hein? Wow! En tout cas, j'ai chaud, hein? Pff, canette de quoi en plus, Coca Vanille, c'est réellement.
C'est littéralement un jeu d'horreur sous tous les aspects. Alors, j'avoue que je fais plus partie de la team Coca Cherry. Pas d'anormalité. Non, mais frère, l'immeuble entier est une anormalité. De quoi tu parles? Il m'en manque un. Qu'est-ce que j'ai pas fermé? Là. Là! Allez! Ah, il doit m'en manquer une parce que ça n'a pas fait le petit bruit satisfaisant, mignon. Merde, j'avais pas vu qu'il y avait du sang. Elle est morte, la dame. Non, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Allez, on y va. On est bientôt au dernier étage, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bon alors, il va être comment celui-là? Vraiment, à tous les coups, un jour, on va tomber sur l'étage des licornes. Ah bah là, d'accord. Mais c'est de pire en pire, en fait. C'est de la moisissure. Par contre, ça, c'est toujours intact. Ah non. Non, c'est cassé. Je comprends pas ce que c'est, ça. D'accord. Ah oui. Je suis un peu en speedrun là. Hein. Je suis un peu en speedrun là. Hein. Putain. Il y a encore des gens à l'intérieur? Monsieur! Ouais, enfin, je sais pas, ça va, enfin. Merde, je me suis endormie, il est déjà si tard. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu reviens encore et encore, t'es toujours là à chaque fois que je me réveille. T'étais là pendant tout ce temps, peu importe. Sais-tu où se trouve mon patron? Est-il déjà parti? Ce maudit harceleur de pouvoir a dit qu'il ne quitterait pas avant que tout le monde partir, avant que tous les autres partiraient. Je m'en vais aussi. Je peux venir avec toi? Moi aussi, je veux y aller. J'ai pas envie de rester là. Attends, mais viens, on descend ensemble. Punaise. Vraiment, merci de jouer à ça pour nous. Si on jouait seul, on serait en PLS, mais de regarder quelqu'un d'autre et de voir les réactions, je me tape mes meilleures barres. Bah écoute, tant mieux. Vraiment, au moins, mon sacrifice ne sera pas vain. Non, ça j'ai... Mais non, mais... Y a un truc que j'ai pas dû faire encore. Parce que... m'a pas fait mon petit bruit. Je peux pas quitter l'étage. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ok. J'ai fermé, là. Ah, y a un truc, là. Oh non. Non, j'ai pas envie d'y aller. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non. Non. C'est trop long. C'est trop long. C'est quoi? J'ai appuyé. C'est quoi? C'est quoi ça? J'ai appuyé. J'appuie. C'est quoi? Encore? Hein? Une clé de sortie de secours. Ça suffit.
La tête de Marie, ça me fume. Mais arrêtez, je suis vraiment en crise là. Punaise. Ça, c'est une sortie de secours. Vas-y, je la prends. Oh là. Oh là. Attends. Alors, je monte ou je descends? Vas-y, je monte. Y a quoi ici? Ouais. Oui. Oui, bah vas-y, mais toujours plus en fait. Toujours plus en fait. Toujours plus en fait. Je comprends pas l'histoire. Pas d'anormalité, mais fraté. Regarde où elle est, la normalité. Enfin, je sais pas, moi. Oi. Mais les toilettes, plus on avance, plus elles sont dégueulasses, les toilettes là. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut faire un effort en fait. Femmes de ménage, elles sont parties en vacances, quoi. Elles ont lâché l'affaire, oui. Bah, l'autre, de toute façon, il lui manquait déjà 4 fusibles dans le cerveau. Toto, est-ce que je peux prendre l'ascenseur? Oula. En fait, l'ascenseur est nickel, vraiment, je vous avais remarqué. Ah! Donc on arrive au dernier étage. Il descend là. Il descend là. Bah voilà, je vais en enfer, c'est ce que j'ai dit. Bah voilà. J'avais dit. J'avais dit quoi? Je vous avais dit le 11e étage, c'est l'enfer. Et tout à fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est l'enfer. Voilà. C'est cadeau. Bonjour! Bonjour. Ah, vous êtes enfermé dans la télé ou vous êtes... Ah. Madame. Je sens, je sens. Non mais j'ai fermé les yeux hein. Ça bouge hein. On dirait des vers de terre. Non mais j'ai encore un étage à vérifier moi. Non mais enfin... Faut arrêter les conneries là. Qu'est-ce que tu veux que je vérifie? Tout le monde est mort. Vas-y, je commence par les chiottes. Faut que j'allume la light? Pas quoi faire. Y a pas de lumière ici. Y'a rien à vérifier en fait. Je sais pas pourquoi je vais dans les toilettes. Eh bah écoutez, je vous propose qu'on rentre dans les pièces. Je vais commencer par celle du fond. Bon bah allez, on y va. Alors, il y a quoi? Des peintures. C'est de l'art abstrait. Mais ça sert à rien de faire ça. Oh là. C'est la salle des machines. Tu touches les murs, tu chopes une MST. Rien n'apparaît. Faut mettre la cassette. Oh, t'es pas doué. Regarde. Ah, peut-être pas en fait. Rien n'apparaît. On dirait un mouchoir quand je sais tuner. Il n'y a pas de sortie de secours en plus. Non. Voilà. Je suis foutue. Bah si, il y a une sortie de secours là. J'ai toujours la clé. Toujours partir. Ah non. Merde. Donc qu'est-ce qu'il faut que je trouve là? Attends. Quelque chose m'échappe. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah. Mais... Je dois mettre un code? Attends, mais je sais pas moi. Ah mais comment je peux savoir? Attendez. Comment je peux savoir? J'ai rien vu depuis le départ. Tiens, tiens, tiens. Y'a pas un truc sur les ordis ou quoi? Y'a une seule énigme dans le jeu, je la réussis pas où? Pas de câble. Ouais, mais je connais pas le code. Y'a peut-être un truc qui fait que je dois le trouver quelque part, à cet étage. Il me manque une info. Mais là, j'ai fait le tour.
dois retourner dans les toilettes. Et pourquoi les portes, elles restent pas ouvertes aussi? Restez ouvertes, les portes! Parce que si tu peux pas revenir en arrière, ils peuvent pas te bloquer dans le jeu, donc c'est forcément là. Hein, c'est quoi, ça? Obtenu un couvercle taché de sang. Ah, d'accord. Je pense pouvoir nettoyer cette tache. Avec quoi? Donc, zéro en haut. Je prends une photo. J'oublie tout le temps. Zéro en haut. Zéro, neuf. Mais c'est une horloge, en fait, fraté. Il faut... Enfin, c'est juste une horloge. Avec quoi tu veux que je nettoie la tâche? Aïe. Avec quoi, en fait? Tu vois un tissu? Avec du PQ? Ah, bah, sous l'eau. Oui, je suis conne. Il y a un évier, là. J'ai lavé le sang du couvercle. Il y a deux lignes tracées dessus. Alors, je doute qu'il y ait un seul torchon propre à cet étage. Déjà, il n'y a pas d'électricité, il y a de l'eau par contre. Tu te dis bon. Alors, ah oui. 0, 30, 60, 90. Zéro. Attends. Non, attends. Zéro. Avec les aiguilles, du coup, ça fait 90-30 ou 30... Attends. C'était 90 et 60. Ou alors 60-90, on va faire 60-90. Attends, on va faire 60. C'était ça. Obtenu une cassette vidéo. Mais il manque le câble. Pas de câble. Fais chier. J'ai la cassette, j'ai pas le câble. Ah ! Mais monsieur ! Oh là ! Oh putain, j'étais pas prête. Bonsoir. Par précaution, j'enlève juste un écouteur, hein, parce que j'ai pas envie de... D'accord. Bon là, on fait vraiment notre boulot, hein. On regarde des caméras de vidéosurveillance. Je ne comprends pas où on... Et au bout d'un moment, on va se voir nous, c'est sûr, non? Ah, j'aime pas quand il y a des gens qui courent. Oula. Ah, je t'aime. Ah bah... Je ne peux plus rester ici. Sortons d'ici. Oui. Attends, est-ce que je peux courir ou pas? Non. J'ai pas pris la bonne sortie. Il y avait quelqu'un qui m'attendait de l'autre côté. Attends, l'ascenseur, il est à droite ou à gauche? Oh non. Il n'y a qu'une sortie. Sortons d'ici. Je peux pas sortir par beaucoup d'endroits, là. Je vais essayer de sortir. D'accord, moi j'ai pas le choix. Il y avait la meuf, mais du coup, quand tu sors dans le couloir, il faut que t'ailles d'abord à... faut que t'ailles à gauche... Ah ouais, mais frère,
Moi, je veux bien, mais si j'ai pas le choix à chaque fois, comment je fais? Faut que j'aille à droite? Allez, je vais à droite. Nique-toi! Je laisse rentrer dans la pièce. Y a pas d'autres portes. Faut pas utiliser les autres portes. Bon, attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais le laisser rentrer. Je laisse rentrer et je... Ah voilà, c'est ça. Les autres portes s'ouvrent en fait. Je peux pas courir par contre. C'est un peu frustrant. Suis morte? Oh non. Non. J'avais pas fini. J'avais pas fini de surveiller. Non. Oula. Oula. Ah bah j'ai fini le jeu. Voilà. Eh ben, c'est terminé. C'est terminé pour ce jeu, les gars. Écoutez, c'est finito pipo. Ending one. En fait, il y a plusieurs fins, hein, de ce que je comprends. Ah oui, après, tu revois tout le truc. Ending one. Ah non, il y a plusieurs fins. Attends, what? Ah là, je revois mon let's play, en fait. Ah là, attends, je suis en train de revoir tout mon let's play, là. Mais apparemment, il y a plusieurs fins. Donc, j'ai eu une fin un peu ending one. Donc, j'ai eu une fin... Attends, qu'est-ce qu'il fait? C'est trop bizarre. Ah ouais, et après, tu peux... Je vais voir si je peux avoir une autre fin. Est-ce que je suis obligée de refaire tout l'étage? Attends, je vais quand même tenter une autre fin. Ah non, on avait dit c'était 60-90. Mince. 60. Mais allez, 60. Pourquoi pas? 60, 90. Voilà. Je vais tenter juste une autre fin. Attention, le monsieur, le câble. Je sais pas si je peux avoir une autre fin avec ça. Genre, au lieu de fuir à droite, je fuis à... Au lieu de fuir à gauche, je fuis à droite. On va voir. Si jamais il n'y a pas d'autre fin, il n'y a pas d'autre fin, mais... Faudrait tenter. Bon. Je vais juste vérifier l'autre porte. Elle est où déjà? Elle est là. Le truc, c'est que si je vais là, je vais me retrouver coincée, je pense. En fait, il faudrait que je sorte... Alors je lui ouvre, je sors à gauche et je cours à droite. Là je cours à droite. Oh c'est mes enfants. Ah quoi? Mais non. J'ai mis un truc au hasard. What? C'est quoi ça? Attendez, il y avait un chiffre à mettre. J'ai pas vu lequel il fallait mettre. J'ai pas vu lequel n'avait pas été barré. Enfin, attends, il y a peut-être un chiffre. Il y avait peut-être... Ah putain, il n'y avait pas un chiffre... On est le combien aujourd'hui? Le 22 août. Donc du coup, c'est 22... 8. Vas-y, je vais tenter. Ah bah non, je peux pas. Parce que c'est des chiffres que je dois mettre, c'est pas 2 x 2. Ou alors 2 0 8. 2 0 8. Attends. Peut-être 2. Je vais tenter le 2 0 8. Je sais pas, je suis sûre qu'il y a un truc à faire avec ça. Attends, j'ai envie de savoir. 2 0 8. Je peux en mettre un autre. C'est le 23, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça, c'est le 23. Pardon, je me suis plantée, c'est ça que je voulais faire. 23-08. Je vais tenter 23-08. Il n'y a pas un chiffre dans le dessin, attendez, je regarde. Je vais tenter 23-08. 23-08. Non.
Non, c'est pas ça. C'était peut-être pas août, mais si c'était août. C'était pas août? Merde. Je suis sûre que c'est ça. Huit, vingt-trois. Ah non, ça. Ah, j'ai pas validé. Alors attends, déjà je vais faire 0823 et je pense que le truc en bas à droite c'est pour valider. Yes, 0823. 0823. Aïe. Ça me tend le cul. 0823. Ça a marché? Non, ça va marcher. 1379, pourquoi? J'ai pas vu sur le dessin. Vas-y, je tente. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas. Oh, c'est chiant. Je sais pas, les gars, du coup, j'avoue que là, je... J'avoue que là, je... J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. Je sais pas. Les calculs sont pas bons, Kevin. Non, il y a un truc, y a un truc qui est pas bon. Refais 60-90? Ouais, non, je sais pas. T'as pas fait 23-08 en validant, du coup. Ah oui, c'est vrai, je vais refaire ma théorie numéro 1. Je vais refaire ma théorie numéro 1, Antronark. Zébardi, 23-08. Merde. Ah non, c'est pas ça. 10-23, pourquoi 10? On n'est pas en octobre? On a été en octobre? En fait, ce qui m'ennuie, c'est que je sais pas si ça valide vraiment ce que je fais ou pas. 10-23. 10-23, 10-23, 10-23, on va voir. Et le dessin, je peux pas... Je vais pas assez vite, putain. Mais c'était ça? En fait, c'était... Elle est née en octobre, la petite! Il s'est passé un truc, pourquoi je suis là? Mais nique ta mère, pourquoi je suis ici en fait? Mais c'est le bon code! J'ai validé! Je comprends pas. J'ai validé là, ça a pas marché. Je vais peut-être lui fermer la porte au nez. Je ferme la porte. Ça marche pas, je peux pas. Je peux pas. Oh, je fais comme ça. Sais pas comment faire, putain. Je peux pas lui fermer la porte sur la gueule. Ah, je sais pas comment faire. Comment je peux faire? Ah, ça a ouvert là? Oh putain! Oh putain! Merci Poppy pour le sub gift à Marilyn Moon, merci beaucoup. Oh putain, j'ai réussi. Oh là, je me réveille où là? Je suis à l'hôpital? Oh putain! Oi! Oh là, oh là! Oh! Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle me regarde comme ça? Je suis vivante? Je suis vivant? Bah. Vous pouvez pas être. Pourquoi vous faites la gueule? Oh non! Tu dégages, toi, hein, t'es qui? Ending 2. Ça me suffira. Ah. Bon! Non, mais les gars, là. Pour le coup, ça s'est mieux passé. Là, j'ai eu une fin... La fin était bien.
C'était une meilleure fin. Bah, c'était une meilleure fin que la première que j'ai eue, quoi. La fin mieux, mais flippante avec l'autre derrière. Ah, mais le gars qui te court. En fait, ce qui me fait bader, moi, c'est le bruit, en fait. Un enfer.